Amour rituel, une nouvelle rencontre, une trahison, des douleurs et peines sur les réseaux, un amour possible, mais compliqué. C'est évident qu'il y aura des pleurs, des souffrances, parfois des sourires, amour rituel sur les réseaux. La peine qui creuse les cœurs, l'amour qui frappe et s'en va, des peines qui creusent les cœurs, l'amour qui frappe et qui s'en va. Il s'en va. Amour rituel, un cri, une douleur, une voix, un regret. Amour rituel, l'amour qui frappe et s'en va, des peines qui creusent tes cœurs, l'amour qui frappe et qui s'en va. C'est quoi c'était? Tu n'as pas l'air très en forme. J'ai passé toute la nuit à travailler sur Internet. Ne me dis pas que tu as passé la nuit au téléphone avec Patisson en train de... J'étais en train de chercher l'emplacement pour ma nouvelle boutique. Vu que je vais voyager très bientôt pour Dubaï. Tu iras à Dubaï? Patisson voudrait que j'aille à Dubaï. C'est vrai que moi, j'ai un penchant pour la Chine, mais bon. Pourquoi ne pas plutôt aller dans la capitale économique du pays? J'ai l'impression qu'il voudrait juste que je voyage pour l'étranger. Ok. Après notre conversation de la fois dernière, il a décidé de m'envoyer de l'argent pour que je fasse l'auto-école. Cool. Bonjour, mademoiselle. Je peux manger un grave? Désolé, monsieur, mais nous sommes très occupés. Bien sûr, vous pouvez vous asseoir. Elle est juste un peu timide, mais ça ira. Merci. Je me nomme Eric. Et sérieusement, je vous trouve très, très belle. Moi, c'est Christelle et elle, c'est Mungu. Enchanté, Mungu. Monsieur, nous sommes très occupés. En plus, nous sommes en pleine conversation. Je sais. Mais pour moi, j'ai un gravou. Non. Ah, mademoiselle Mungu, soyez juste un peu courtoise. Voilà ce que je fais de votre courtoisie. Mungu, mais pourquoi tu as fait ça? Bref. C'est pas grave. Hmm? Mais comprenez une chose. Mademoiselle Mungu. Je suis un gars très, très têtu. Alors, excellente journée, mesdemoiselles. Merci. Mungu, qu'est-ce qui t'a pris? Cela voulait juste te parler. Je ne voulais pas parler avec lui. Tu lui as fait de l'effet. Écoute, Christelle, je te rappelle que je suis fiancée à Patisson. Et à vrai dire, je n'ai pas la tête à sortir avec quelqu'un d'autre pour le moment. Parfois, je ne te comprends pas. Tu es jeune, belle, séduisante. N'importe quel homme pourrait te courir après. Je n'en veux pas. Ouvre les yeux, Mungu. Patisson vit avec une autre femme. Mes yeux sont mieux fermés. Je vais m'absenter ce week-end. J'irai au village sacler les herbes autour de la tombe de votre père. Voici ma maison que je laisse. Divine, tu es l'aînée. Reste telle que tu es. Quant à toi, Vanessa, si je rentre et on me dit que tu as désobéi à ta grande sœur,
Je t'assure, je vais te crucifier. Maï peut venir avec toi. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu Oncle Boué. Oncle Boué sera ici. Tu vas le voir. T'inquiète, je vais lui transmettre tes salutations. Tu as un problème. Pourquoi tu penses toujours que c'est moi qui dérange? Pourquoi tu ne peux pas dire ce genre de choses à Divine? Parce que je connais mes enfants. Et c'est comme je t'ai dit. S'il te plaît, maman, tu peux dire à Oncle Boué de me garder les prunes. D'accord, ma fille. Maman, il va falloir que tu me donnes les 3500 du beau là. Mais ça, tu m'as montré dans cette maison que tu es une grande fille. Achète-toi tes beaux. Et si tu continues de me parler, je ne veux pas te rater. Tiens. Oh mon petit cœur, je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai tellement mal. Écoute mon amour, c'est ta copine. S'il te plaît, arrêtons ces jeux. Mais elle aime encore son fiancé. Mon cœur, cette fille me fatigue. Est-ce que tu sais comment ça me gonfle quand elle me raconte ces stupides histoires? Je la déteste. Peut-être que vous voulez nous voir tous les deux ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Bébé, je l'aime pas. Alors, tu veux qu'on aille jusqu'au bout? Ouais. Je veux que tu la séduises et que tu lui prennes tout son petit argent. Comme ça, toi et moi, on n'aura plus jamais de problèmes financiers. Tu penses? Ouais. Ok. Tant que ça peut te faire plaisir, je ferai tout pour la séduire. Voilà ce que j'attends de toi. Quoi? J'ai aimé, chérie. Oui, mais c'était pas comme d'habitude. Tu sais que je travaille beaucoup. Mais tu, là, tu perds un peu de tes performances. Ouais, c'est le travail. Qu'est-ce qui se passe? Le travail, je t'assure. De quel travail tu parles? Je travaille beaucoup, tu sais. J'ai fait tout en besoin et tout. Quoi. Et tu veux dire quoi? Je t'étouffe avec le travail? C'est pas ça, chérie. Mais c'est quoi? Voilà, avec tout ce que je fais déjà, ça me fatigue aussi, tu vois. Attends un peu. Tu te plains des tâches ménagères? Tu es en train de te plaindre des tâches ménagères? Ça fatigue, chérie. Je t'étouffe de travail. Pense un peu à toutes ces femmes qui font ça. Et en plus, elles ont des enfants. Ouais, je sais. Et elles sont là pour satisfaire leur conjoint. Je fais tout ce que je peux pour te satisfaire, chérie. Alors, il faut penser à prendre tes capacités, s'il te plaît. D'accord, chérie. Là, tu te demandes des travaux ménagers. Ouais, ça va aller, chérie. Ouais. Mais tu vois, le volume, il est augmenté, c'est grâce à moi. C'est quel volume? Tu vois le volume en moitié, c'est comme ça. Non, non, non. Tu peux pas maîtriser le travail que j'ai. Par contre, tu as perdu de toutes tes capacités, Rivette. C'est vrai que ça a commenté. Hein. Toi, tu veux juste. Allô? 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 Oui, allô, Manitou. Ça va bien. Tout le monde va bien. Allô? 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 Oui, Manitou, je t'écoute. Pourquoi tu me fais ça, Manitou? Tout le monde se moque de moi. Ok, d'accord. Moi aussi, je t'aime. Allô?
Allô? Réseau. Allô? Merci Seigneur d'avoir répondu à mes prières. Demain, ton pauvre Benguiz de t'acheter le téléphone pour que le raisin ne dérange plus. Comment il est en vie? Et c'est le plus important. Et toi, où vas-tu habiller légèrement comme ça? Tu es qui? Maman, je vois que la nuit te dérange. Si tu es devenue mère Teresa, c'est ton problème. Si tu sors, je vais te crier à maman. Si tu veux, va réveiller papa de la tombe. Et je verrai comment il viendra me fouetter. C'est toujours comme ça que vous êtes. C'est quand tu vas finir vieille fille ici à la maison que tu sauras que l'âge où tu devais te chercher est obsolète. Et si Christelle avait raison? Oui, allô, maman. Comment tu vas, maman? Et Dieu merci que tu te portes bien. Moi aussi, j'ai eu gamin, je me porte bien. Alors, est-ce que tu es seule, maman? Ok. J'aimerais te parler d'une chose, maman, qui me dérange depuis. Et tu avais dit, Monito, il est qui pour moi? Mon cousin? Mais il ne se comporte pas comme un membre de la famille. Depuis qu'il est ici, il ne fait que faire à sa tête. Il ne m'écoute pas. Il sort de la maison, il rentre quand il veut. Il cherchait les femmes en désordre. Et pourtant, il m'avait dit qu'il a pris les engagements avec une fille là-bas au pays. Non, maman, même si c'est mon grand frère, ça ne veut rien dire que c'est mon grand frère. Ici, nous sommes en Europe. Et il vit sous mon toit. Oui, maman. Alors, maman, pour couper tout, moi, je t'ai appelé juste pour t'informer. Ok, maman, j'ai compris. Je ne dois pas aussi trop te laisser me supplier. J'ai compris, maman. Mais je le fais juste pour toi, hein, maman. Et la prochaine fois... Il va se retrouver dehors. Je ne vais plus t'appeler pour t'informer. Ok, maman. Ok, maman. Alors, maman, pour ton... Pour l'argent que tu m'as demandé, j'ai déjà envoyé. Donc, quelqu'un va t'appeler tout à l'heure pour te le remettre. Non, tu n'as pas à me remercier, voyons, maman. C'est tout à fait normal. Ok, maman, bon, je dois te laisser, maman. Je vais me reposer là. Porte-toi bien. Ok, merci, maman. Au revoir. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Combien de filles as-tu trouvé? Michel, je cherche encore. Tu blagues? Ce n'est vraiment pas facile. Je fais de mon mieux. Est-ce que tu sais que je reçois une énorme pression? Oui, je le sais. C'est bien comme tu le reconnais. Mais pour l'instant, j'ai une fille qui est vraiment intéressée et qui est très partante. Attends, une seule fille? Oui, pour le moment. J'espère que tu sais qu'on aura aussi besoin des garçons. Oui,
Je suis en train de chercher, j'ai essayé de lancer dans mes connexions. On aura des garçons, t'inquiète. Ta mamie m'a appelé. Elle m'a dit que tu la déranges beaucoup. Celle-là, tout ce que je veux, c'est mon passeport et rien d'autre. Est-ce que tu sais que tu es stupide? Comment ça? Tu es une femme qui te donne tout, qui te met à l'abri du besoin. Et toi, comme un idiot, tu veux tout laisser tomber pour aller en Europe? Laisse-moi te dire, tu n'iras nulle part. J'ai trop besoin de toi ici. Et si je ne veux pas, Michel? Tu n'as pas le choix. On a toujours le choix dans la vie, tu le sais. C'est ce qu'on vous raconte dans vos livres. Cette dame-là, je ne sais même pas si je l'aime. Arrête de bouder. La vie, c'est ici. Il n'y a rien là-bas. Un jour, tu me donneras raison. Lève-toi, on va. Où as-tu passé la nuit, Vanessa? Tu es maman pour me poser ce genre de questions. Tu es ma petite sœur, alors j'ai le droit de te poser la question. Tant que tu es sur ma responsabilité, dis-moi où tu as dormi. Fais-moi passer. Tu ne passes pas. C'est quoi ça? Comment Vanessa a pu faire ça à sa sœur aînée? Eboué, je ne sais pas ce qui se passe dans ma famille avec ses enfants. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter ça? Et c'est comme ça que les choses là commencent. Hein? Après on va entendre qu'elle est ancrée dans les sectes. Elle veut vendre dehors sa grande sœur. Si ça continue comme ça, là, Vanessa va venir vivre avec moi au village. Parle à cette jeune fille. Parce que depuis le décès de leur papa, ses enfants me montrent de toutes les couleurs. Je vais parler avec cette fille. Mais tout ça, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Parce qu'à la mort de mon défunt grand frère, je t'ai demandé de m'épouser. Tu as dit, niet. Marie Dima, bon Mongola. Tu es resté à Yaoundé. Hein? Oru comme Djemou. Il t'a demandé de m'épouser pour que je prenne soin de toi et de m'occuper de l'éducation de ses enfants. Tu as refusé. Ok, c'est bon. Mais quand cela ne tienne, j'ai vendu un peu de cacao récemment. Donc je vais payer les factures. Mais ne t'inquiète pas, elle va guérir, ça va aller. Seigneur, écoute mon appel. Et arrête d'appeler le Seigneur. Parce qu'on parle aux enfants comme si on parlait aux adultes. Et les adultes comme si c'était les enfants. Si tu m'aurais écouté.
utilisé. Ah, on vous remercie mon cœur. Ça les autres bon. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais faire uniquement pour toi, mon bébé. Merci. Bébé? Oui chérie. C'est pas comme d'habitude là, c'est un peu fade. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mis assez de sel. Hein. Mais pourquoi? Je t'ai pas demandé d'éviter le sel. Le sel, c'est pas bon pour la santé. Mais c'est trop fade là, je peux pas manger ça. S'il te plaît, serre-moi un verre de jus. Ça, je peux pas manger ça, c'est trop fade. Désolé chérie, je vais m'améliorer demain. Donne-moi mon jus s'il te plaît. Je compte pas rester pauvre toute ma vie. Et si c'est pas Meung que je dois passer, je le ferai sans hésiter. Chérie. Es-tu vraiment sûr de ce que tu veux faire? Oui. Tu as déjà vu comment cette idiote me parle? Franchement, je suis fatiguée de ces humiliations. Et pour te dire vrai, je compte me venger de toutes ces humiliations. D'accord. Je voulais juste me rassurer. Parce que je vais frapper où ça fait mal. Je te fais confiance. Et moi aussi. Tu viens dans la chambre, s'il te plaît. Mais chérie, je n'ai pas fini la vaisselle. Ben, c'est pas grave, je vais continuer après. D'accord. Pattison. Oui, chérie. Dépêche-toi. Pattison. Ouais, chérie. Christelle. Ça fait un moment que je t'appelle. En fait, j'étais un peu occupée. Bref. Va porter l'un des vêtements que je t'ai offert, on ira voir ma boutique. Attends. Tu l'as acheté sans même me tenir informée. Oh ma belle. Je peux également faire des choses sans te dire. Dépêche-toi. Je n'ai pas que ça à faire. Ok. Tu pourras mettre les écarpins. D'accord. Les escapins roses, je sais que tu les aimes, alors je vais les mettre. Les escapins roses. Ok. N'oublie pas la robe rouge de la bébé. La robe rouge. Oui, la robe rouge avec des escapins roses. Qu'est-ce que tu me caches? Comment ça? Christelle, toi et moi, nous savions que tu ne sais pas t'habiller. Et je te rappelle que c'est moi qui paye le loyer dans cette maison. Je veux savoir qui entre et qui sort d'ici. Donc, qu'est-ce que tu me caches? C'est juste qu'il y a des cafards et des souris mortes partout dans la chambre. Je ne voudrais pas que tu te sentes mal à l'aise, c'est tout. Mais si tu veux, tu peux vérifier par toi-même. Compliqué, c'est évident qu'il y aura des pleurs.
des souffrances, offrant des souris à mon rituel sur les réseaux. Sur les réseaux. La peine qui creuse les cœurs, l'amour qui frappe et s'en va. Des peines qui creusent tes cœurs, l'amour qui frappe et qui s'en va. Il s'en va. Amour et Dieu, un cri, une douleur, une voix, un regret. Amour et l'amour qui frappe et s'en va, des peines qui creusent tes cœurs, l'amour qui frappe et qui s'en va.